just going home. I'm a late, late show. No one to meet me at home. Je crois que ça représente à peu près mon état d'esprit quand j'essaie de réfléchir à mes futures vidéos. C'est vrai qu'en ce moment je manque un peu d'inspi. Est-ce que ça vous aimeriez, dites-moi ça en commentaire, si vous aimez les vidéos type on parle de livres, on parle un peu de culture. Je sais que c'est pas le truc le plus répandu sur YouTube, mais moi c'est ce qui me plairait. Donc n'hésitez pas à me dire. Aujourd'hui on est mardi, je suis actuellement déprimée. Point positif de la journée, je me suis coupée les cheveux, donc je vous montre ça. J'ai juste fait les pointes, vraiment genre hyper simple, parce que j'avais pas envie de couper beaucoup, mais ils étaient vraiment abîmés. Sinon, j'ai acheté le micro-rod, donc celui-là, sauf que gros problème, je ne peux pas mettre de. Je peux pas le brancher à mon téléphone sans adaptateur et j'en avais besoin demain pour un truc avec ma pote. Enfin bref, je suis dégoûtée. On va devoir rajouter de l'argent pour payer l'adaptateur parce qu'en fait je peux pas le brancher à mon appareil photo pareil. Mon appareil photo n'a pas de prise pour ça, génial. Aujourd'hui j'avais cours de 8h à 9h, donc espagnol, et là j'ai cours de 14h à 15h. C'est une semaine assez spéciale, enfin j'ai des profs absents et tout. C'est pas tout le temps comme ça. Donc voilà, je suis assez contente. Là je vais bosser un petit peu, je regarde des petites vidéos et puis on va se mettre en route. Coucou tout le monde, donc là je commence à 10h, vous allez croire que j'ai un emploi du temps carrément simple, mais c'est juste cette semaine, franchement d'habitude j'ai des horaires vraiment vraiment chaudes, et là je prends une histoire et après je rentre, parce que pareil j'ai pas audiovisuel, et cet après-midi je vais faire une petite vidéo avec une pote. Donc coucou mes amis, j'espère que vous allez bien, pour moi c'est jeudi. Bon, je suis passée à mon TPE, l'oral. Je ne saurais pas trop dire si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé. Donc écoutez, on verra la note. Je vous vloggerai ça, donc je l'aurai cet été. Ensuite, j'ai un petit pansement en fait. J'ai un panari. Voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est une infection. Enfin bref, vous irez voir sur internet. Bon, moi en fait je prends jamais au sérieux mes petites blessures et tout, sauf que là ça commençait à me faire beaucoup mal et clairement j'aurais rien fait si je ne partais pas en Angleterre lundi, sauf que ma mère elle avait eu ça et ça avait vraiment dégénéré, elle a dû avoir une infirmière à la maison, elle a pas pu bouger son doigt pendant hyper longtemps, elle a eu super mal et tout, donc elle a dû se faire opérer et tout il y a quelques années, donc là apparemment, enfin je suis allée voir un médecin et tout et j'attends encore 2 jours donc avec des produits dans mon pansement, et sinon ils vont me faire une incision pour récupérer tout le pus. Voilà, sans anesthésie, donc je vais bien douiller. Mais normalement je pars en Angleterre, heureusement. Donc voilà, c'était la petite frayeur du jour. Bon, je vais vous laisser parce que je vais faire mon sport. Petit programme de 6 mois pour avoir le meilleur booty pour l'été. Voilà, donc bah, il a mif. On se motive pour avoir le corps de rêve, les gars. Oui, il y a mon côté assez que ça. Je mange une salade avec une galette de pommes de terre. Mais je vous avoue, j'ai mangé des frites ce midi. Mais bon. Coucou tout le monde. Mais je sais pas pourquoi, quand je bois, je mets du rouge à lèvres. C'est horrible. Genre, on dirait que je suis une candidate de télé-réalité. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Toi, j'avais pas mis tant que ça. Hein. J'ai mis juste un petit coup. Bref, aujourd'hui on est vendredi, j'ai une énorme journée, donc je finis à 18h. J'ai un week-end scout demain et je sais pas si je vais parce qu'avec mon dos c'est chaud. Donc écoutez, on va voir tout ça, c'est un petit peu relou. Donc... Je vous fais un test en fait avec mon iPhone parce que mon appareil photo a pas de truc pour brancher le micro. Donc c'est un peu chiant, ce qui fait que pour mes vlogs j'utiliserai pas mon micro, mais pour mes grosses vidéos j'utiliserai mon micro. Donc, voilà, et je relierai le son, ce sera plus compliqué, mais c'est un investissement sur le long terme, voilà. La tenue du samedi. Est-ce
que je suis la seule le samedi à m'habiller mal? Enfin, là encore ça va, mais à faire beaucoup moins attention à ce que je porte et tout pour pas gâcher une tenue. Genre je pense que je suis pas la seule. Nous clairement, c'est limite, il y a pas des gens le samedi qui viennent en pyjama, donc Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette position parce que je trouve que je filme toujours de la même manière, donc je me dis aujourd'hui on va filmer la tête à l'envers. Waouh. En gros, pour vous expliquer la situation, je me suis fait ouvrir le doigt. Je m'étais dit que j'allais filmer, mais j'étais en PLS. Alors déjà, on m'a fait une anesthésie locale donc dans la main. Sauf que ça fait des picotements, c'est horrible, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Ensuite, j'avais pas mangé, genre il était midi et demi. Donc j'étais deux fois plus au bout de ma vie parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps faim. Et ouais, moi je suis une grand-mère, il me faut mon repas à 11h quoi. En fait c'est désagréable cette position. Bah, le pote de mes parents il m'a ouvert tout le doigt, genre avec un scalpel. Enfin pas le doigt mais genre à côté de l'ongle. Où il y a un vanari et il y avait du pu. Oui c'est dégueulasse. Mais en gros enfin c'était pas du cinéma quoi. J'avais vraiment un vanari et heureusement qu'il me le fait maintenant parce que je pars en Angleterre rapidement. Et sinon j'aurais été en PLS sachant que voilà je pouvais pas écrire mon contrôle de SES que juste ce matin j'ai dû le faire à l'ordinateur. Donc voilà, enfin bref, c'était l'histoire de ma vie. Sauf qu'en fait j'ai oublié mais je suis allergique au dafalgan codéiné je crois. Mais à chaque fois j'oublie, je suis trop bête et à chaque fois j'ai envie de vomir. Donc là je suis trop mal. J'ai regardé un film, j'ai regardé N'oublie jamais je crois. Non attends. C'est celui où la fille elle perd la mémoire, elle oublie son mec. Ouais, vous devez connaître. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes films romantiques préférés, voilà. J'aime beaucoup les films romantiques. Bref, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser. Je pense qu'on va se retrouver demain, mais très rapidement. Parce que je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur genre dans ma valise. Donc voilà. Bah sinon j'espère que cette vidéo vous fera plus. Enfin sur votre vlog, mais c'est pas fini. Qu'est-ce que je raconte? Coucou tout le monde, on est dimanche, je vais juste vous saluer, donc vous dire bonjour et puis vous laisser parce que là je prépare mes affaires pour Londres et je pense que ce sera intéressant que je vous parle de Londres dans mon prochain vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker, ciao la mif.